Salut les gens, on se retrouve sur Satisfactory avec Broudaf. Comment vas-tu, Broudaf? Ça va et toi? Ça va super, je vais déplacer mes plaquages qui sont ici dans le conduit principal et je vais aller les mettre à l'arrière, là, à côté des structures métalliques. Et après, je m'intéresserai au cadre lourd modulaire, je pense que je vais mettre à nouveau à côté ensuite. Voilà, tous les produits finis de fabrication pour l'ascenseur, je vais mettre ça à l'étage du dessous. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Toujours le MAM? Ouais. Bah, il me reste que trois trucs, je crois, à faire dans le MAM. 4. Là. 4, il t'en reste. Dans le cas Ethereum. Ah ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. Connecteur de Ouais, ça vitesse, va le faire. ordinateur. Ouais, il te faut des. Je sais pas quoi, c'est quoi ça? Des connecteurs haute vitesse, il t'en faut déjà 150. Ça picote un peu. Très bien. Ouais. Rappelez-moi ce qu'il y a là-dedans. Des plaques de pierre renforcées et des rotors. Et ça se fait dans des crafters. On va en mettre 3. Assembleuses. Désolé, un gros bâillement. Ça s'entend. Ah ouais. Mais en fait, c'est le. Je suis pas fatigué. Puis C'est vrai, il est tôt dans la soirée. C'est les détentes. J'ai baillé toute la journée. C'est le jour où on est le jour où j'ai récupéré ma connexion internet et du coup j'ai été détendu un peu trop zen toute la soirée, toute la journée. alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Ah, des câbles. Répartiteur. Là. Ici. Alors, le fil actif, c'est de quel côté déjà? C'est tout l'intérêt de dégager l'intérieur, ça serait quand même plus facile de circuler et de voir les choses. C'est côté est. 3 avant la porte. Donc là maintenant, on va avoir. C'est quoi ça? Et ça doit être les moteurs. Donc moi, ce qu'il me faudrait, ce serait que je mette ça là, par exemple. Donc déjà, je peux faire l'arrivée. Ça doit être l'autre porte. Ah ouais, c'est la porte du fond. Enfin, la porte intermédiaire, c'est la porte qui est ici. Ah ouais, j'y suis, j'y suis.
Voilà. C'est ici. Ah ouais, tu l'as déjà pris ton truc. Bah oui. Ben oui. Que je suis bête. Pas le temps de niaiser. Ben non. Il y en a qui bossent ici. Des vrais stagiaires. À l'ancienne. Interdiction d'utiliser les téléphones portables pendant le travail. Ah bah oui, ça fait mal. Alors, un petit mur. Petit parce que je suis français, parce que en réalité, il fait la même taille que les autres. Hein. J'ai mes Évidemment. 50 ordi. Hop là. Voilà. Si on va grouper. Rester groupir, qu'ils ont dit. Eh ben, on va rester groupir. Genre. Terrible, donc pas voilà. Alors, ça, il faut encore que je les transforme. Ok, ça aussi. Ouais, faut que j'attende ces trois-là. Vas-y, voilà. Donc ici, nous allons faire les plaquages intelligents. Puis on va peut-être amener de l'électricité. Du fil actif, la poque. Si j'avais que ça à faire, aller chercher fil actif. Ben voilà, monsieur, il prend en plein milieu du coffre. Évidemment, il fait plein de trous et tout. Et comme il n'y a plus de Ça revient catérium, au tu même. sais, ils vont pas se reboucher les trous. Hein. Et du coup, ça va me faire un coffre à vie avec des trous. Mais non, ça revient au même. Pas du tout pareil. Moi, je suis obligé de le ranger le coffre après ton passage. Oh. Bah ben, si. Pas laisser ça comme ça. Et si? Ça, j'avais bien compris. Alors, ici. Ah. Et 3. On va aller voir si on a nos 700 manquantes, structure. Oh, bah plus que largement. Sauf que pour l'instant, moi, je peux pas les prendre. Pour l'instant, moi, je vais faire ça et je vais pas m'embêter. Tu veux voir l'ascenseur orbital partir pour l'avant-dernière fois? Ah bah, je suis aux premières loges, hein. J'arrive. Si je trouve juste ce que je voulais faire. Est-ce que tu veux l'envoyer toi-même? Si tu veux, ouais, y a pas de souci. Tadam! C'est parti.
te mets là-dedans ce dont tu as besoin. Il y a un coffre devant le tube avec 700 structures métalliques. Par contre, faut que je me fasse un peu de place. Eh ben oui. Ensuite, on va aller monter voir comment on monte. Peut-être par là. Ah, ici, il y a toujours un assembleur de cadres modulaires. Il est toujours là. On l'a pas défait. Il fait des cadres modulaires lourds. Oh, je te vois monter. Est-ce que tu es prêt? Complètement prêt. Oh, c'est beau. Je l'ai vu tournoyer dans le ciel. Alors, le dernier niveau de l'ascenseur orbital, il faut 1000 pattes nucléaires, 1000 fusées à propulsion thermique, Tout cela n'existe pas. 4000 générateurs de champs magnétiques et 4000 systèmes de directeurs d'assemblage. Alors, les systèmes de les pattes nucléaires. Alors, je sais pas où c'est, j'ai pas encore le détail de tout ça, on va aller voir en bas, mais je crois que de mémoire, il me fallait 12 000 structures. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de coffres. Voyons ce que l'on peut débloquer. Bon. Et ben, on va voir ce qu'on peut débloquer. Oh, ça, on peut. Non, on peut pas le débloquer. Peut-être tôle d'aluminium en alliage. Ça, non. Ça non plus, filtre à gaz, ça non plus. Raffinage de bauxite, je crois qu'il faut qu'on débloque ça, il me faut 50 ordi. Prendra pas mes ordis. Déjà, je sacrifie tous mes moteurs et tous mes cadres modulaires. T'es dur avec moi. Je vais attendre que t'aies fini pour lancer ça alors. Bauxite en attente de ressources, ça va nous faire quoi ça? Ça va nous faire le boîtier, la solution d'aluminium, le mélangeur, scanner du quartz et du bauxite, taux d'aluminium en alliage, ouais. Logistique MK5 juste après, bien sûr. Les combinaisons de protection pour aller là où il y a du nucléaire. L'acide sulfurique, les batteries, les supercalculateurs. Bah ça, de toute façon, tu pourras pas finir le MAM. Il te faut des supercalculateurs. Ah. Donc, tu peux toujours dire je fais d'abord le MAM, mais tu pourras pas faire le MAM. Overpack. Ah, le Overpack, ça permet de voler. J'ai toujours pas de jetpack, moi d'ailleurs. Énergie nucléaire, production d'aluminium avancée, production de pointe, enrichissement des particules. Ouais. Je pense que je vais aller finir ce que j'avais commencé, et ensuite on va aller. Faire les cadres modulaires lourds. Et tant que tu es en train de faire ton MAM, je vais pas t'embêter avec les ordinateurs parce qu'on va se voler les mêmes ressources. Donc, pas trop la peine qu'on soit en train d'attendre. Par contre, moi, ce qu'il me faudrait, ça serait du caoutchouc là. Faudrait que j'arrête d'envoyer tout le caoutchouc. Je vais court-circuiter temporairement le caoutchouc. Il semblerait qu'il y en ait un petit peu. Ouais, du coup, bah, les 500 ils vont arriver. Le caoutchouc, ça va se faire. Les moteurs, ils servent à une autre, aussi à cette production-là, toujours de, et on va le court-circuiter aussi. C'est la même production de toute façon. Voilà, les moteurs sont en train d'arriver. Il restera plus que les ordinateurs et les cadres modulaires. Je vais les lancer à la main. Comment faire 50 cadres modulaires? Je vais les regarder ce qu'il me faut et je vais les lancer à la main.
Et ce jalon va se faire tout seul. Tout arrivera en stock tout seul. Ah bah, combien on en a dans le coffre? 0. Très bien. On en a 0 dans le coffre, ça me va. Donc pour en faire 10 par minute, il me faut déjà beaucoup de cadres modulaires. C'est 5 pour en faire 1. Non, si. Donc il me faut 250 cadres modulaires, 150 poudre béton. Alors ça par contre, je peux les mettre. Toc, toc. Et du caoutchouc. Et des vis. 104 vis, il me faut 5000 vis, ça picote. Hein. Alors je vais lui mettre les poutres pour commencer. C'était pas la peine, les poutres, il y avait ce qu'il faut. Et tout le reste, c'est vide. Caoutchouc, vis. Les vis, on va essayer d'aller prendre 5000 vis. Pour l'instant, toujours pas augmenter ma production de vis. Oh oh, j'étais en train d'aller augmenter ma production de vis d'ailleurs. Tiens, voilà. Je suis pas du tout tombé par hasard. Mais bien sûr. Travaille toi plutôt. De te moquer de moi. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Mais bah maintenant, fais-le bien. Je sais que je te paye pas, mais je me demande quand même si t'es rentable. Il me paye pas, il me nourrit pas, il me loge pas. Si t'es logé, t'as pas vu les lits superposés? J'ai jamais passé une seule nuit, hein. Moi je vis dans ma base au milieu des odeurs de charbon brûlé. Oui, mais ça c'est parce que t'es en travailleur expatrié, mais sinon t'as un logement, c'est juste que t'y as pas accès et que tu travailles à 500 km de ton logement, mais ça. C'est ponctuel. C'est avec toi, il y a du provisoire qui dure quand même. Hein. Ouais. Comme quand je t'ai dit que la série allait durer au maximum une dizaine d'épisodes. Bon, ça, j'y croyais pas. Ah bah voilà. Alors, je vais nous débloquer les super calculateurs. Ça me fait du bien. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là? Et paf! New recipe unlocked. T'as l'air bien. New research available in the MAM. Il va me falloir des cadres lourds pour deux des trois derniers. Il me manque 10 pour l'un, donc il me manque 60 cadres. Eh ben, il faut aller se les faire à la main. Et ben voilà, faut toujours faire les choses soi-même. Mais t'as déjà un setting en haut et j'ai commencé à le remplir en fait. C'est des cadres lourds modulaires, c'est ça? Ouais. J'ai commencé à le remplir en fait, le truc. D'accord, donc j'aurais plus qu'à me servir. Bah, c'est-à-dire que non, parce que j'ai pas mis les éléments qui manquent. J'ai mis que les poutres pour l'instant. Ah, pas beaucoup de caoutchouc qui remonte. Hein. Ah, il y a zéro caoutchouc qui remonte maintenant, c'est fini. Ah, qui arrive de ton truc là? Oui. Je sais pas quelle production t'as prévu. Bah, le problème c'est que j'ai qu'un seul tapis d'actif. Oui, mais sur le tapis. Et que. Bah, il n'y a pas saturation. Même... Si, il y a saturation. Je me pose la question parce qu'entre. Il y a quoi? Il y a 120 de caoutchouc, 120 de. 60 de coque, puisqu'on a limité ça à un tapis MK1. Ah oui, mais non, plus le cas. Comment ça, plus que quoi? Et parce que c'est du MK3 qui arrive en fait. Non, la coque. En fait, j'ai fait un. Oui, mais c'est plus d'un tapis MK1 qui arrive. Mais il fallait que ce soit un tapis MK1 justement pour pas saturer le tapis. C'était le jeu, c'était le but. Tu as passé le tapis volontairement laissé en MK1 et MK3. Plus ou moins, ouais. Dit comme ça, ça a l'air d'une bêtise, c'est ça? Ne prends pas ce ton avec moi. Et pourtant, oui, voilà, mais c'était fait exprès.
coup, bah voilà. Bon, j'ai fini de charger le l'assembleur de cadres lourds. C'est vrai? T'as trouvé assez de, ouais, de tout? Bah, pour faire un plein complet, ouais. D'accord, non, mais d'accord, mais t'as fait des pleins dans l'assembleur ou dans les coffres qui sont destinés justement à faire le plein pour une longue durée? Ah non, dans l'assembleur. Super. Bah, histoire de me faire mes 10 cadres. Oui, voilà, ouais. Eh, il est fait vite quand même, hein. Il y en a déjà 4 de fait. Bah, je crois qu'il a des éclats, lui, non? Oui. Ouais, je vais laisser ses éclats. Sauf qu'il lui manque déjà des vis. Ah bah ça, les vis, c'est 100 par cadre, hein. Donc si t'en as pas mis 5000... Pardon, si t'en as pas mis 1000... Donc j'étais parti chercher les vis au moment où j'ai fait une chute inopinée. Et du coup, je me suis dit, bah, puisque on parle de vis, c'est que je devais justement upgrader les vis. Ouais. Bon, moi, bah, je vais attendre 3 épisodes pour avoir mes cadres modulaires lourds, alors j'ai compris. Pourquoi? Non, les vis, il y en a plein, hein. Dans le coffre, t'as juste à aller les prendre et les déplacer dans le coffre de travail. Pour ça, faut d'abord que tu te vides toi sur un coffre. Il me manque du fil actif. Il me manque aussi du fil actif. Ah, pas de poutre. Pourquoi pas de poutre? Ma vie est fichue. Bah, tu sais que de toute façon, j'étais parti faire les vis. Je vais aller faire les vis bientôt. Je finis juste ça et puis je retourne au cadre modulaire lourd. Ce que j'étais en train de faire. J'ai bloqué l'arrivée de caoutchouc et de moteur. Ça repart pas dans les productions. Donc, normalement, ça devrait commencer à se stocker. Des vis et des poutres. Hop, allez, viens là. Je vais vomir. Mon dieu, ça a rien que j'ai cherché des vis, je suis plein de cochonneries. D'abord, aller me décochoniser. Du haut derrière, il n'y a rien, donc normalement on est bon. C'est marrant par contre que celui-là il soit bloqué. Ça va pas changer grand chose à ce qui arrive là-haut. C'est ça que je suis en train de me dire. De toute façon, il y a un tapis de 480, c'est un tapis de 480, quoi que je fasse. On n'ira pas plus haut. Ok. Ah oui, mais on en produit plus quand même sur ce tapis maintenant. Je crois, hein. J'ai bien fini ma reproduction. Oui. Voilà, le tapis il est plein là. Et là il est à moitié plein, il fait rien là, il fait que dalle. Hors tension. Oui, alors ça c'est petit. Hein. C'est mesquin. Encore coupé le mauvais fil. Et petit. Le fil bleu sur le bouton vert. Et le bouton vert sur le fil bleu. Ça y est, on sature. Pourquoi on sature? Parce que c'est 260, ça fait 520 sur un tapis de 480. C'est normal que ça bloque très légèrement. Ok, bon, on est bien là. On a un peu augmenté la production de vis. Je vais maintenant aller me vider, me remplir de vis et fournir le coffre en vis. Pour valider les cadres modulaires. L'idée c'est que tu puisses aller rapidement t'occuper de la bauxite et de l'alu. Qui est une tape importante. Ah, il me refaut des ordinateurs. Moi aussi.
Mais je t'ai filé plein de cartes, ça sera plus facile à faire. Tire vite. Il me faut des ordinateurs, mais je t'ai filé plein de cartes. Il faut les transformer en ordinateur après. Oui, mais je te l'ai dit vite en tout cas. Bah, t'as récupéré des grenouilles de toute façon, normalement. T'as des larves là, des limaces. J'ai tout réinjecté, hein. T'as tout réinjecté dans quoi? C'est une production de quoi que tu fais actuellement? Bah des super ordinateurs, des ordinateurs du coup, des contrôleurs d'IA. Alors là, j'ai une usine, enfin une assembleuse de supercalculateurs, une assembleuse de connecteurs haute vitesse. Une deuxième assembleuse de connecteurs haute vitesse. Nous y voilà. Bah oui. Hop, ici. Tout prendre. Je viens de vider un coffre de vis. Là, pas l'énergie. D'ailleurs, l'énergie, tu checkes de temps en temps? Non. C'était dit qu'on avait le temps. Oui, mais en même temps, ce temps-là. Bah On est écoute, repassé en au niveau positif. de la capacité, Ouais, ça charge en fait légèrement. là. C'est entre charge et décharge, on est exactement à la capacité. C'est marrant. Donc pour l'instant. Et ben pour l'instant, ça va repasser en dessous parce que je viens de vider le coffre de vis. Donc, je viens de relancer 50% de la production de vis. C'est lequel le coffre de vis? Ben, c'est celui que je veux, j'imagine. Tiens, oui. Alors là, j'ai de quoi en faire deux. Ah oui, monsieur fait comme chez lui. Tips. Trop de vis. De toute façon, les 5000 ont largement été fournis. Si monsieur ne vole pas de cadre modulaire, il n'y aura pas de problème. Et de toute façon, c'est une production que je voudrais automatiser sous peu, dès que j'aurai déplacé celle qui est ici au centre. Qu'est-ce qu'il fallait en haut aussi? Du caoutchouc. Je sais pas si on va pouvoir être performant sur le caoutchouc. Que je me suis servi dedans. Ah, t'es servi dedans, hein, oui, donc. Ouais, il n'y a plus rien. Super. Donc tes cadres modulaires. C'était pour lancer des cadres modulaires ou pas? Non, c'est pour la recherche que je vais avoir besoin de ça. D'accord, bah bravo. Pas fait de se faire le jalon. On n'est pas ralenti là au niveau des pétroles, t'es sûr sur le caoutchouc parce que franchement on en a besoin pour tout. Je sais. Faut que je fasse Peut-être. des ordinateurs là encore aussi. Punaise, j'en ai marre! Bah, peut-être que tu devrais aller relancer le caoutchouc d'abord. Parce que sinon, de toute façon, même si tu construis, 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 ça n'avancera pas. Cadre modulaire. Il faut que je ramène plein. Allez, go. On va aller voir ça. 50, eh ben c'est pas 200. Cadre modulaire, ça se fait assez vite et assez bien. Alors, je parierais qu'on en a pas mal. Oui, ben, c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Les l'échelle que je serais pas plus étonné que ça. Bon bah donc j'ai pas mal ravitaillé le truc pour faire les cadres modulaires lourds, mais il n'y a pas de caoutchouc donc la recherche ne se fera pas. Il y en a qui vient qui remonte, mais c'est vrai qu'il y en a, ça remonte pas très très vite. Non bah non, je pense qu'il y a un problème au niveau de je sais pas où. On est loin des débits promis. Je vais regarder vite fait.
Allez. 4, 5. On est plutôt à 1 par seconde. 60 par minute. Si, c'est pas trop mal. C'est pas si mal. Je prends tout. Je vais lancer. Non, je vais le garder pour aller mettre mes 500 dans la recherche dès que je pourrai. Et après, on lance un des cartes modulaires lourds. On va continuer à travailler ici sur les plaquages intelligents. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire mes arrivées. C'est quoi ça qui arrive ici? Des poutres et des cadres. Mouais, mouais, mouais. Et là-bas, il faut des plaques en fer et des rotors. Comment dire que c'est pas du tout. C'est bon. C'est pas du tout les mêmes choses. Plaque en fer et rotor. Voilà. Sûrement une arrivée de tout ça déjà là-haut. Vis. C'est quoi ce truc qui ramène rien du tout? Ah, les plaques de fer renforcées. Il y a un seul producteur de ce truc là, c'est quoi? Ok. Ah mais c'est tendu. Attention, hein. Il va être temps de se quitter. Non. Tu... Non. Je veux pas. Ah si, après, quand les fichiers sont trop gros, je peux pas te les envoyer. Bon, fiche, tu te débrouilles. Bon, bah si c'est comme ça, je préfère qu'on s'arrête là. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à tout de suite. J'espère que ça vous a plu. A plus, Boudaf. Bye bye.